motivés pour un match de foot un peu spécial. Alors il y a des footeux ici à Artigolou, il y a les jeunes jambes et puis il y a les vieilles jambes. Ma génération, les grands footeux d'Artigolou, on vous attendra en piste tout à l'heure après la sortie de Plaire. Le Brindis Thomas qui va attaquer Plaire pour le comité des fêtes d'Artigolou. Thomas, je vous le rappelle, l'écarteur qui habite à Hydron. Le seul Béarnais, enfin pseudo-Béarnais, de la Frémilly. Allez, c'est parti pour Thomas. Voilà, le premier écart pour Thomas. Voilà, changement de côté pour la coursière, pour permettre un départ et une vue un petit peu différente. Alors c'est vrai que les coursières, en fonction de leur départ, si elles sont côté des loges ou côté gradin, elles n'ont pas forcément tout à fait le même comportement. Et quand on a un petit souci comme ça de comportement, alors on change de côté. Alors Jean-Claude Tasté qui reçoit 5 euros de prime particulière de part de notre ami Le Landais. Et Jean-Claude Boudet la ficelle qui va assurer la sécurité de Thomas. Voilà, on la replace d'ailleurs Plaire. Et c'est Mathieu qui va prendre le relais, je pense. Mathieu Castandet qui va assurer un écart supplémentaire face à Plaire avec des parages genoux pour Mathieu et qui demande le soutien de tout le public. Allez Mathieu! Voilà, Plaire préparée par Sébastien. Allez, on y va, c'est parti pour Mathieu. Voilà, un beau galop d'ailleurs pour Mathieu. Et on replace Plaire. Notre ami Bébert nous a fait parvenir 10 euros de prime pour toute la quadrilla. Alors Romain, qui est un jeune brillant, il va offrir son écart à monsieur et madame la campagne des jeunes mariés de la semaine dernière, je crois. Allez, c'est parti pour Mathieu, pour Romain. Aïe, 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 aïe. Romain, il a voulu faire l'écart intérieur, vous voyez, Plaire l'a suivi. Allez Romain, on peut l'applaudir parce qu'il fallait le faire. Il fallait essayer de faire mettre la coursière un peu plus vers l'intérieur de la corde. Il a voulu tourner côté corde un écart intérieur. Vous voyez qu'il a été très légèrement poursuivi par Plaire. Et on espère qu'elle va bien fonctionner pour un écart supplémentaire. Alors préparez-vous les amateurs parce que juste à la fin de cette sortie, ce sera à vous pour le tour de vol. Allez, c'est parti pour Robert. Voilà, excellent écart, excellent passage pour Romain maintenant, face à Plaire. Allez, c'est parti pour Romain, au centre de la piste avec Plaire. Voilà le passage pour Romain face à Plaire. Allez, c'est parti pour Thomas de nouveau. Thomas des 6 pour un écart supplémentaire face à Plaire. En deuxième partie, on les mettra un petit peu en compétition, nos amis écarteurs. Et on essaiera de sélectionner le meilleur écarteur de l'après-midi. Et ce sera à l'applaudimètre avec tout le public. C'est parti maintenant pour Thomas. Voilà, Thomas d'ailleurs au plus près, vous voyez qu'il est resté au maximum. Et ça passe très très bien. De Plaire.
replacer maintenant par Sébastien et Thomas. Peut-être l'une des dernières figures face à Player, Thomas Nessis. Et Player, son camarade Sébastien Darzac, qu'on a préparé. Alors voyez qu'on est monté un petit peu aussi en gabarit avec la poussière avec Player. Voilà, très bon écart d'ailleurs pour Thomas. Thomas Nessis. Alors là, je vois que ça commence à bouillonner. Vous pouvez commencer à faire les lacets. Hein. Ça va être l'un des derniers écarts face à Player. Alors vous pouvez pouvoir serrer les lacets. Allez, pour la maman de Romain. Allez, c'est parti pour Jérôme. Jérôme Roulier avec Player. Voilà, bon passage pour Jérôme. Allez, d'ailleurs, on va la replacer vraisemblablement pour le dernier. Le dernier écart. Et c'est Jérôme qui vient en terminer avec Player. Le dernier écart pour cette première partie. On retrouvera les écarteurs dans la seconde partie. Allez Jérôme, applique-toi pour ce dernier écart pour tout le public. Avec bien sûr la complicité de Jean-Claude Lecordier. Allez, c'est parti pour Jérôme. Voilà, d'ailleurs il termine très bien. Jérôme Roulier avec Player qui va rentrer dans sa loge. Et dès qu'elle sera rentrée, on demandera à tous ces garçons, les écarteurs, les hommes en blanc. Voilà, c'est chose faite, c'est bon, on y est. Et on va demander à toute la quadrilla, dès que la corde va être pliée par David, ils vont tous venir au centre de la piste. Les quatre écarteurs, Jérôme Roulier, Thomas Nessis, Romain Dupoutz, Mathieu Castandé, le sauteur Hugo Irigoyen, les deux entraîneurs Sébastien Darzac, David Martinez et le cordier Jean-Claude Tasté. Toute la quadrilla qui vont recevoir vos applaudissements au centre de la piste. Et ils vont préparer ensuite la piste pour les amateurs pour le premier jeu. Premier jeu qui va être un match de foot, un tour de balle.